Je ne sais pas, tu peux un peu éteindre ton cigare. Non, mais pourquoi je vais éteindre mon cigare? Mon cigare, en quoi mon cigare dérange là maintenant? Mon frère, tu sais que moi, tous les dossiers que je donne à mon frère, je n'ai jamais eu de problème avec lui. Et il est venu me voir là que tu le grondes, tu l'as menacé, que tu le menaces. Ce que moi je te demande, c'est pardon, grand, supporte seulement. Supporte, tu fais ce que tu as fait et puis il te donne ton permis, tu pars. Quand tu me dis de supporter, c'est-à-dire quoi? Parce que moi je ne comprends pas au final. Moi, la dernière fois ton frère, on est dans la voiture, il commence à m'insulter, il extrapole, il dit ceci, il dit cela, oh, met la clé comme ça, la démarre comme ça, là. Regarde-moi le crâne, hein? C'est quoi? Hein? Tu conduis avec la glace, sur la glace, où il a... Oh, il faut dire, je ne sais même pas qui vous ramassez pour venir être moniteur là. Il a eu trop de chance avec moi la dernière fois là. Maintenant toi aussi tu viens me dire qu'il faut que je ralentisse. Tu parles de quoi? Non, je disais que si tu peux être indulgent avec lui, parce que tu as déjà donné ton argent. Ça ne te coûte rien de supporter juste un peu. Juste un peu. Supporter quoi? Sois clair. Je supporte quoi un peu? Que la formation finisse. Et où est le problème alors? Donc, quand il vient là, tu supportes, tu es un peu indulgent envers lui. Oui. Tu vois, non? Oui. Tu me promets ça. C'est ce que tu me demandes de faire. Donc, il va le goguena, il va arriver, le cabre arrive, il s'assoit. Il commence à me sortir ses airs de grand moniteur, il m'insulte. Il m'a bien regardé là. Et moi, je reste tranquille. Tu me demandes de faire quoi? Vous pensez qu'il y a trop besoin du permis là? Ce que je vais t'expliquer, c'est que dans notre monde, c'est-à-dire dans notre monde, dans nous qui ne sommes pas comme vous, quand quelqu'un te dirige, tu supportes un moment. Dès que tu as ce que tu veux, tu peux faire comme tu veux. Ok, ça va, j'ai compris. D'accord. S'il arrive là, je suis cool. Mm-hmm. Mais si ça muse, mm-hmm. Je ne te dis pas la suite. Ok, merci. Merci voilà, beaucoup. Parce que moi, je ne suis pas dans vos machins là. Mm-hmm. Mais excusez-moi. Benz! Voilà. Benz! Ça, c'est même quoi ça? Benz! Moniteur, mon œil. Et tu veux m'insulter? D'abord, même qui vient ici là? Tu as causé avec lui, quoi? J'ai dit, va lui demander de descendre. Moi, maman est d'une forme, mon rien. Vous envoyez, tu avais envoyé un moumou, vous avez envoyé une fille, Nikita, vous avez envoyé celui-ci là. Il vient gronder sur moi. Parle-moi. Tu lui as dit, au carré. Arrête de me trouver. Regarde, ce que je te demande, c'est support. Et tu sais qu'aujourd'hui, c'est le 11. C'est la journée, c'est le 11 mai. Et tu le laisses encore là-bas, pourquoi? On allait à manger l'argent, on fait comment? Vous avez mangé l'argent? Et c'est moi qui souffre. Je vous ai dit que prenez d'abord le CV de chaque personne, de chaque apprenant. Tu demandes d'abord s'il est bien stable, s'il est situé stable, s'il est stable. S'il a la stabilité. S'il a la stabilité morale, s'il s'exprime en français. Voilà la clé, j'ai réussi la clé. Je l'ai convaincu. Il a dit que tu fais. Va avec lui doucement. Il a dit quoi? Doucement. Il a dit qu'il est d'accord pour continuer la formation. Mais il m'a dit que tu lui as mal parlé dernièrement. Tu l'as pas mal parlé. Tu l'as insulté. Papa, toi, tu as le courage. Moi-même, j'ai le courage. Je t'ai dit, toi et Delpizo, quand vous prenez les dossiers des personnes dans l'auto-école, vous pouvez le poser. Vous prenez seulement. S'il dérange un peu là, vous allez jouer. Va avec lui doucement. J'ai le doucement, barré. Si t'es grand. Bon gata. Ouais. Mon frère, on ne fume pas dans la voiture. Oh, calme-toi. Tu viens d'arriver, non? Calme-toi. Restons très calme.
Ton frère venait d'être là. Écoute-moi bien, ton frère venait d'être là. Il a demandé qu'on soit posé. Alors aujourd'hui, c'est le 11 mai, j'ai envie d'être posé. C'est le 11 mai, toi tu viens alors comme ça, là, tu viens avec la fumée partout. Ici, c'est une école de formation. Écoute, peace frère. Je t'ai dit qu'aujourd'hui c'est la paix. C'est peace and love, tu comprends? Aujourd'hui c'est la paix, je ne suis pas venu faire les problèmes avec toi. Parce que ton frère m'a dit d'être indulgent envers toi. Mais avec ça, tu vas apprendre la conduite comment? Tu vas prendre la conduite comment dans la fumée, mon gantai, pas mais il y a un. Il ne s'agit pas de ça. La fumée n'a rien à voir. Je contrôle. Je t'ai tout simplement dit aujourd'hui ce que tu contrôles avec la fumée. Je suis en train de. Écoute, voilà, on va faire ça très court et très simple. Tu me déposes en Jamaïque. Je te dépose où? C'est la fête, c'est la commémoration de la mort de notre frère. Peace and love, Bob Marley, Robert Nesta Marley. Peace and love, yes. Bob Marley, commémoration. Oui, tu as mélangé beaucoup de choses, c'est quoi même au juste? C'est-à-dire, le frère, lui, il est mort il y a quelques années. Qui alors, est mort? Bob Marley, man. Il est mort où? En Jamaïque. Alors moi, je suis en train de... Amène-moi en Jamaïque, tout simplement. Et si tu m'amènes en Jamaïque, on est quitte. Attends, que je t'amène en Jamaïque? Ouais. Maman, que en Jamaïque, mon frère, je connais la carte, j'ai la carte. J'ai la carte du monde. Ça, c'est le tour école seulement pour faire un balmayo Yaoundé. Moi, je vais te guider. Je te dirige. Tu me diriges pour t'amener en Jamaïque? Oui. C'est-à-dire, tu t'assois. Moi, je m'assois là et puis j'ai le trajet dans la tête. C'est tout. Baba dit, yo, ma taille, moi, yo, na, manga, ka, Jamaïque. Yes. On va à Jamaïque comment? Je t'amène en Jamaïque pour aller chez Bob Marley. Écoute, n'est-ce pas? C'est l'auto-école. On apprend à conduire. Je ne peux pas sortir du conduit. Justement, parce que tu sais conduire, que tu vas me conduire pour la Jamaïque. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Voilà, ça, c'est le passeport. On n'a pas besoin de la carte. Fume. Et puis toi, tu t'assois ici, on est parti. C'est le passeport ici? Oui. Maman, que tu ridames. Avec ça, on entre en Jamaïque. Où est la Jamaïque? Tu vois la Jamaïque quelque part ici là? On est sur la route. C'est sur la route de la Jamaïque ici. Je t'ai dit que nous sommes sur la route. Oh, papa! Oh, maman! Maman, j'arrête le travail. Écoute-moi bien. Oui. On va à Jamaïque. Ne commence pas avec moi. D'accord. Ton frère m'a demandé d'être indulgent. Je pense que tu commences à m'énerver. D'accord. Je viens prendre le volant, alors vous descendez. On va en Jamaïque. Écoute-moi d'abord, écoute ce que j'ai à te dire. On va en Jamaïque. On va aller en Jamaïque. C'est clair. Tu me suis bien? C'est clair. Peu importe le chemin, la route qu'on prendra, moi je vais arriver en Jamaïque. Tu as le passeport? J'ai le passeport. Allons en Jamaïque. Qu'est-ce qui te manque? Si tu dis démarrer seulement, on va en Jamaïque. Permets-moi. Donne-moi quelques minutes, je finis ça. On vient en Jamaïque. Ah, la Jamaïque, il parle. Ouais. Écoute-moi. Ouais. Je veux déjà arriver en Jamaïque. Je veux voir Bob Marley. La commémoration de Bob Marley. Tes frères arrivent, One Piece. Bob Marley. On arrive. Yaman. Boum, boum, claque. On arrive. One Piece. Je prends le volant. Attends d'abord, je prends le volant. Là, tu viens ici. Oui. Je conduis, on va en Jamaïque. Écoute, petit. Je descends d'abord. Oui, Bob. Tu descends après moi, ok? Toi, c'est Bob. Moi, c'est Marley. Bob. Peace, Marley. Marley. On va en Jamaïque. Tu vas de l'autre côté, on va en Jamaïque. C'est clair. Tu es un sale pauvre petit frère. On va voir ça. Courage, pas il faut tu prier, alléluia. Ou alléluia, maintenant te bénira, tu resteras debout toujours.
comment presser partout d'aller reçoit mon moudoumbo. Je n'ai pas de colofou, appelez-moi le commandant avec un sac de répondant. Je frappe la beauté par un étage du changement. Il faut avoir la patience et c'est toi connu la souffrance. Tu l'as ton enfance, mais garde espoir car tu es seul suffit.